Bon Nico, comment ça s'est passé ces premières 24 heures? Bah c'était assez rude. Une entrée dans le sujet assez tonique. Pas mal de vent, pas mal de vagues, moi j'ai été un peu malade, je dois avouer. Mais on s'en sort pas si mal, là on est dans un bon paquet lendemain matin et voilà, heureux d'être là. Bon bah je pense que vous suivez la course, ça s'est pas vraiment tout passé comme prévu à la pointe Bretagne, on s'est fait un peu piéger. C'était très frustrant de voir tous les autres bateaux partir autour de nous et nous sans de la moindre risée qui nous permette de redémarrer. Donc on a vu 4-5 bateaux qui étaient autour de nous partir et on n'a jamais pu repartir et voilà, ça nous plombe un peu le début de course. La route est encore longue, voilà, on part pour une traversée de l'Atlantique, derrière moi c'est l'Espagne, on va aux Canaries, on va d'abord au Cap Vert, donc la route est encore hyper longue. Les gars, au contact au Cap Finistère, on a un bateau là-bas qu'on est en train d'essayer de rattraper. Et on se faisait un peu rattraper, mais on a réussi à garder notre temps avec 3 bateaux qu'il y a là-bas, mais vous ne les verrez pas. On est en train de passer le Cap Finistère, on est sur le toboggan pour aller vers les Canaries, vers le Cap Vert. Ça fait du bien, c'est encore long. Coucher de soleil derrière moi. Voilà, on a fait notre entrée dans le top 10 du classement hier, c'est cool, on est content, encore pas mal de, j'espère, de places à gratter, ça on verra. Voilà un cadeau de la mer pour notre dîner, un merveilleux poulpe. Bienvenue à bord du Glescarante et Milan Riatibor. Comme a raconté Nico, on a des petits soucis de réservoir, en fait c'est ce truc là, il était fixé par différentes équerres qui ont cassé pendant le vent fort le long du Portugal. Ce qui est pratique dans un bateau à voile, c'est que ça marche pas bien quand on n'a pas d'essence. C'est du gasoil, pardon Rico. Je vais même leur dire la vérité. Hein. Vas-y Armel. C'est qu'on est sur une journée de merde. On est un peu sur une journée de merde. Allez. Et on a une mauvaise nouvelle à vous annoncer. On va s'arrêter de façon très courte pour bricoler un petit peu à Tenerife. On a quelques soucis là depuis quelques jours. Non, c'est sûr, c'est hyper décevant parce que bah, c'était pas le plan de s'arrêter, c'est sûr. Ça fait 5 jours depuis Portugal là qu'on se bat pour chaque minute contre les autres. Et là, s'arrêter 4 heures, ça fait un peu mal. Mais voilà, c'est la meilleure décision à prendre avant de traverser l'Atlantique et je pense que c'est celle qui nous rendra le plus performant à l'arrivée en Martinique et c'est ça le plus important. Donc, c'est un peu dur à avaler mais c'est la bonne décision. Arrivé aux Canaries pour un pit stop dont on se serait bien passé avec Erwan. Bonjour Julien. À la tienne. C'était escale forcée. Explique-nous ce qu'on fait là. On nous a réceptionné. Plein d'essence, réparation de moteur, yes. Réparation de crash box, ouais. Remise à propre du bateau, petite bière en terrasse, et c'est reparti. Au revoir Tenerife. J'ai croisé des pêcheurs du Cap Vert, super sympa, c'est cool. Et là on va essayer de faufiler un chemin dans l'archipel du Cap Vert entre les îles pour essayer de couper un peu et gagner du rattraper du terrain sur les gens devant. Voilà, bref, Nico ne se lave pas. C'est insupportable, dites-lui. C'est un appel à l'aide. Premier shampoing de ma vie en bateau en course. Merci à Justine de Respire, petit placement produit pour le shampoing solide. Je suis un nouvel homme, cheveux propres. Raoul, tout va bien? Ça roule. Ça va Nico? Ça va. Bon, on est où? Eh ben on est dans les Alizés. On
on est au sud du Cap Vert et on peut enfin mettre le clignotant à droite vers la Martinique. Erwan est en train de se faire une série Netflix sur l'iPad. C'est ça. Tu nous fais quoi de beau, Erwan? Bah alors, cette carte des Caraïbes, c'est Jack Sparrow, il a envie d'arriver en Martinique. Le plus vite possible. Le plus vite possible pour trouver le trésor. D'accord. Du coup, on étudie la meilleure trajectoire pour Jack Sparrow. D'accord. Je pense qu'on va aller en buter dans le film. Ça va. Voilà. Merci, bravo. Alors, j'aurais bien aimé vous dire sur le bateau Happy Vore que cette traversée sera été faite sans avoir maltraité aucun animal. Malheureusement, c'est faux. Voici les restes d'un poisson volant. C'est un faux poissonnet, hein. Plus de 3 jours environ jusqu'à la Martinique. Pas mal de grains. Joli coucher de soleil. Et un autre problème un peu plus mineur, on a la canne à algues qui nous sert en fait à retirer les sargasses des safrans. Donc on se sert quasiment toutes les 5 minutes en fait. Et donc ça elle a cassé. Donc voilà, c'est pas un problème d'intégrité du bateau, mais c'est juste chiant parce que sans ça on peut pas. Bah, on perd en vitesse parce qu'on pouvait pas. C'est impossible de mettre la main pour les enlever, il faut vraiment cet outil. Donc ça on a réussi à en refaire un avec les moyens du bord. Donc voilà, ça repart comme en 40. Erwan, c'est quoi derrière toi? Mais non, de l'autre côté. Banane. C'est le nuage. C'est la Martinique. On l'a fait. On a traversé l'océan. On est hyper content, sûr qu'on a eu le bateau à l'eau un mois jour pour jour avant le départ de la course. Donc on était, comme tu l'as très bien dit, être au départ c'était un exploit, être à l'arrivée c'est aussi un exploit. Donc on est hyper heureux d'être là, super arrivé, merci à tout le monde d'être là, super gentil. On est ravis, on a passé un super moment sur l'eau avec Raoul et ouais, c'est une bonne transat, ouais, c'est cool, succès. C'est sûr que c'était un super défi technologique, on a découvert un beau bateau et forcément on a eu des soucis qui allaient avec, mais c'était une très belle aventure. Voilà, il y a eu une escale à Tenerife, enfin il s'est passé plein de choses. On a un moteur qui marche un peu bizarrement, enfin voilà, on a vraiment beaucoup bricolé. Moi j'ai appris énormément de choses qui j'espère serviront à Nico et voilà, c'était une superbe expérience. On est très content de faire ça pour nos deux partenaires respectifs. C'est une belle aventure, c'est une belle transat et voilà, un beau voyage, on est super heureux.